Coucou. Bon, bah, je vous reprends cette fois-ci, je suis coincée. Ouais, complètement coincée. Là, je rigole, ça va, quoi, je fais la maline, mais je peux vous dire qu'hier soir, ça n'allait pas du tout. Je suis partie me coucher, j'étais en pleurs. Tellement ça montait, la douleur là, dans le crâne. Je me suis dit, j'ai appelé l'ostéopathe, j'ai laissé un message, il m'a rappelé genre dans la demi-heure. Il peut me prendre que jeudi. On est mardi. Bon, en attendant, je vais prendre paracétamol. Comme je peux pas prendre, j'ai pas le droit de prendre d'anti-inflammatoire. Je pense que ça va me faire du bien, je l'espère. Et en plus, pour en revenir à ce canapé, je vous avais dit déjà bien avant, il est foutu d'une telle façon. Bref, il me fait très mal au niveau de la nuque. Donc c'est chiant. Je vais vraiment aller le prendre, ce canapé d'angle. Ça, c'est quasiment sûr. Quoi d'autre? Donc aujourd'hui, ça va un petit peu limiter les choses que je devais faire. Notamment, vous savez, je vous avais dit, aller chez Brico, demander des conseils. Ça, c'est pas bien grave. Je peux attendre plusieurs jours. De toute façon, je vais pas mettre du papier peint, là. Je vais pas faire ça tout de suite. Par contre, oui, hier, si vous avez vu mon vlog, je vous disais que je m'étais un peu perdue sur le site de Sephora parce que je cherchais un fond de teint. On est toujours à la quête du super fond de teint. Et surtout, moi, j'étais à la quête du super concealer qui va être en même temps traitant pour les cernes, les poches. Parce que alors là, je sais pas si c'est... peut-être l'alimentation, le temps, bon, la fatigue, hein, la vieillure. Mais j'ai envie de travailler ça. Et j'avais vu donc sur le site de Sephora ce produit-là. Mais c'est un produit que je peux trouver, en fait, c'est ciselé. Ciselé, ça a un coût, mais c'est un produit, je sais, qui va me tenir dans le temps. Ça dure des mois, quoi. T'en mets vraiment très peu quand tu travailles la zone de l'œil. Et voilà, ce que je vous disais, c'est que ça va être en plus couvrant, ça va être traitant. Et cette marque se trouve chez Nocibé. Et ce matin, j'ai reçu... Ça me fait des aiguilles. Ce matin, j'ai reçu, bon, c'est souvent, hein, une offre. Donc à partir de, je crois, 60 euros d'achat, tu as 25%. Ça doit être un truc comme ça. 25% sur ce que tu vas acheter. Donc ça peut être très bien et c'est pas très très loin. Je vais pas prendre ma voiture de toute façon. Et je comptais donc prendre ça et également un fond de teint. Comme je vous disais, on est toujours à la quête d'un super fond de teint. D'autant plus que ceux que j'ai, je les avais quand j'étais blonde. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça match pas trop avec cette couleur. Je sais pas. Bon, après j'ai le teint clair, hein, naturellement, mais bon. Voilà l'idée. Je vais voir comment ça évolue. Je vais peut-être me reprendre un petit paracétamol, j'en ai pris un ce matin, ouais, donc toutes les 4-6 heures. Et en fonction de l'évolution, je pense que je vais y aller tranquillou, et puis je vais aller voir pour ces petits achats. Ça va être vraiment ralenti, hein, vous l'aurez compris, mais je voulais vous prendre, je voulais quand même avoir cette continuité, et pas forcément, parce que c'était soit ça, soit je reste, alors pas ici, parce que... Il faut que je me cale, vous avez vu ou pas? Je cale ça, et le fameux que j'avais acheté pour la nuque, mais au final, ça ne suffit pas. Donc voilà, je serais restée là avec une bouillotte, à regarder des trucs, ça me saoule. Je déteste faire ça, moi, le côté me poser, regarder une série Netflix, déjà, il faut qu'il fasse nuit, c'est très con, hein. Et surtout, il faut que ma journée soit passée, que je... C'est comme un petit peu un truc de satisfaction, voilà, c'est que le soir. La journée, je ne regarde pas la télé, ça, c'est vraiment un truc... je sais pas pourquoi je vous disais ça, mais... Ah tiens, si je me mettais un petit peu de... Eric, c'était ça, c'est ça, grosse journée. Il doit avoir quoi? Un truc comme 4h30 de course cet après-midi, ce matin... Oh, il en avait deux, mais quand même 6h... Alors, j'ai toujours dit, mais une heure de cours... Après, ça dépend aussi tant pis, mais une heure de cours, ça équivaut à 2h... Parfois 2h30 de bureau, hein. J'ai fait les deux. J'ai donné des cours, notamment de... C'est vraiment le vlog, on papote. J'ai déjà donné des cours de remédiation lettres, notamment, pour aider des collégiens, 6e, beaucoup de 6e. Voilà, c'était remédiation 6e en français, qui ne parlaient pas très très bien français et qui avaient donc des difficultés. Et pendant quasiment toute l'année, j'adorais faire ça, parce que j'avais surtout... enfin. Tu travailles en petit groupe et parfois en individuel avec ces jeunes et surtout tu vois cette évolution. Ils étaient très demandeurs en faisant vraiment... Je faisais moi-même mes petits exercices à la maison, je créais des exercices très ludiques. Le but c'était que ça s'amuse, que ce soit pas prise de tête. Et en même temps, bah, de même, qu'il y ait ce petit déclic avec des choses mémo, des mémo techniques. Vous savez, on travaille beaucoup sur tout ce qui est, je sais pas moi, la basique, les différents C, S, E, S... CES, S'1, SAIT, enfin toutes les... C'est vraiment la base.
sur ça, sur tout ce qui est adjectif qualificatif, la base de niveau 6e. Et pourquoi je... Oui, donc, j'ai fait les deux, j'ai travaillé en bureau, voilà, et j'ai travaillé même, j'étais pas prof, mais face quand même à une classe, parce que par moment, on était... Par moment, j'en avais 18. Et une heure de cours, je vous dis, ça équivaut à 2 heures, voire 2h30 de bureau. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il a sa journée de 6h30, et je sais que ce soir, ça va piquer. Voilà, c'est tout. Elle est très bien, celle-là. Elle sent bon. Alors, je sais pas, c'est la Avène Eau Thermale Cold Cream, la crème des mains, c'est très concentré. Et je, très honnêtement, je ne sais pas si elle est clean. Parce que j'avais déjà scanné, j'avais déjà regardé des marques de pharmacie hein, qui, à première vue, semblent hyper clean. Et en fait, elles n'étaient pas bonnes du tout. Décevant. Comme mes baumes à lèvres, j'avais vraiment étudié. Là, j'ai le top du top. Mais ouais, il faudrait que je regarde quand même. Quand tu vois quand même tout ce qui a marqué, tu dis ouf, ça sent bon. Voilà depuis combien de temps je parle. Y a pas, pourquoi il n'y a pas le... C'est bizarre. Bon, bref, allez. Bon, clairement, je suis obligée de partir. Je vais à la pharmacie. Je ne sais pas si c'est parce que je vous ai parlé longuement dans une position. La douleur, là, elle est passée, elle est de là, elle va jusque dans mes doigts. Je ne vais jamais tenir jusqu'à jeudi, c'est pas possible. Donc, il faut qu'il me donne un truc plus fort que le paracétamol, mais pas de l'anti-inflammatoire. Enfin, bref, je vais leur expliquer. Oh, qu'est-ce que j'ai mal. Look, pour y aller. Vous trouvez, vous, que ça fait bozo? Un bas de côte avec des baskets comme ça, moi j'aime bien. Je trouve ça fait très années 70. Aucun effort hein, au niveau de la coiffure. Je me les suis même pas lavé parce que j'ai mis juste du shampoing sec. Bah, parce que toujours, hein, l'épaule. Par contre, je me suis hyper couverte. Col roulé, gilet, ça. Parce que le froid sur un truc comme ça, c'est pas top. Et j'ai qu'une envie, c'est au retour, me faire petite infusion enfin et un goûter sympa. Réconfortant, on va dire. Vite rentrer parce que ça pèle. J'ai de quoi me soigner, me soulager déjà. Et je vous montre après, j'ai trouvé aussi ce que je vous disais. Allez, hop, on est tranquillous. Comme ceci. Je viens de me laver les mains et ça me fait penser qu'il fallait que je vous dise. Vous savez, là, ce savon, là, fleur d'oranger que j'ai pris chez Action. Je vous le conseille, si vous aimez cette odeur de fleur d'oranger, il sent divinement bon, c'est un régal. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé de beau? Eh bien, j'ai trouvé des choses. Tout d'abord, en pharmacie, je vous montre après, elle m'a donné ceci, 2 par jour, Myocalm. Pour soulager tout ce qui est cervicale, lombalgie, c'est top. Ça va venir relaxer, j'en prendrai un tout de suite. Et j'aime bien, ils ont des infusions à chaque fois dans cette pharmacie. Donc j'ai pris infusion, c'est la marque Infusion Bio Nutri Santé. Donc j'ai pris tout simplement la relaxante verveine. Si tu en prenais 3, tu avais une tasse. Mais de toute façon, moi je les bois toutes. Hein. Donc j'ai pris relax, décidément. Qui doit être à base de fleurs d'oranger, mais pas que. Camomille, verveine, mélisse, huile essentielle d'orange. Et j'ai pris celle-ci, donc un peu plus risquée. C'est pour, je sais même pas, articulation, c'est ça? Articulation, cassis, ortie, cannelle, pissenlit et genièvre. La tasse offerte, je ne sais même pas ce qu'il est écrit dessus. Mon instant bio. Voilà, bon, je vous montre après chez Nocibé ce qui s'est passé. Par contre, je vais faire ma relou, mais ça sent extrêmement fort, vraiment. Genre l'huile d'essentiel. Je le sens pas trop, ce truc. C'est immonde ce truc, j'ai l'impression d'avoir avalé un tube d'huile essentielle pure. En plus, je l'ai avalé en 5-6 fois, je le coupe. Ah, vous connaissez? Bon, si c'est efficace. Regardez, regardez. Est-ce que c'est un chat heureux? J'en ai bien l'impression. T'es content? Je pense que je vais vous reposer pour vous montrer ça. Oui. Hop. Oh. Quelle honnêteté. Je vous disais que j'y avais un produit qui me faisait de l'œil. C'est la marque Sisley. Donc ça a un coût, sachant que j'avais 25% aujourd'hui. Voilà.
J'hésitais au niveau de la teinte. Est-ce que je prends le 1, le 2? Au final, j'hésitais vraiment sur les deux teintes. Et elle m'a fait deux petits échantillons de mon hésitation. Comme ça, je peux les essayer. Et si jamais je me rends compte que le 1 que j'ai acheté ne convient pas, je peux le ramener et on échangera pour le 2 qui m'a l'air quand même foncé pour un contour des yeux. Et comme je vous disais, c'est un produit qui va venir camoufler, mais en même temps traiter. C'est bien pour ça que je cherchais partout dans la parfumerie au truc make-up, mais non, c'est soin. C'est la partie soin. Fond de teint, je vous disais, je cherchais un fond de teint et vu qu'il y avait moins 25%, j'ai pris, alors il me semble qu'il y a très longtemps que j'avais pris celui-là, c'est Yves Saint Laurent. On est sur du beau fond de teint. Il est modulable, mais pour le coup, celui-ci, il se travaille. Il a surtout un joli fini, quoi, en termes de teint. Ah, il n'y a plus de batterie, les amis. Il n'y a plus de batterie. Donc voilà, je suis très contente. Eric était là, il est reparti, je vous ai dit, il avait un truc, enfin une réunion avec des collègues. Et putain, là, il y a deux secondes, il y a Jack qui réclamait ses croquettes. Et du coup, bah, je ne pouvais pas demander à Eric. Je rigole tellement, j'ai mal. Et je me suis levée, j'ai hurlé, j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai mal? C'est de pire en pire, mais je devrais peut-être pas vlogger ça en fait. Mais compliqué, donc je ne peux rien faire. Là, j'ai envie de me poser et regarder. En attendant, je crois que je vais regarder ma série. Je vais même pas pouvoir faire à manger, tu me diras. Ça fait flipper. Ah oui, bah du coup, le Médoc, je crois que j'aurais rien pris, c'était la même, hein, parce que ça ne fait absolument rien. En même temps, peut-être que je prenne un paracétamol, éventuellement. Donc, il est probable que j'arrête là tout de suite ce mini-vlog, hein, parce que je sais pas comment ça va évoluer, mais ça craint. Donc je vous fais un gros bisou. Ah oui, si demain je vlog, si demain j'arrive à vlogger, ce que je vais faire, ce qui pourrait être cool pour vous, c'est que, je suis désolée, hein, je fais vraiment robot là, mais je peux pas bouger, c'est que je teste avec vous l'anti-cerne sur un œil et que l'autre je le maquille pas. Comme ça, vous vous rendrez mieux compte. Voilà. Allez, je vous dis tout de suite. Au revoir. Je pense que c'est mieux à faire. Bisous, bisous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao. Salut.